me parler. Bon. Ce qui arrive, c'est que en fin de semaine, mon Dieu, les cheveux. C'est que en fin de semaine, je m'en vais dans un chalet avec mon père et mes soeurs. Là, genre, il n'y a rien de glamour. Là. Mais comme tu sais, on fait à peu près rien. Comme on fait à peu près rien depuis la dernière année et demie où je suis tout le temps avec mon chum, là je me sens tout énervée d'amener comme des valises pour deux nuits. Puis là j'ai sorti du stock pour deux semaines. Fait qu'on va commencer ça. Donc ça c'est un maillot que j'avais acheté au additionnel je pense, juste avant que ça ferme. Le bas, je l'aimais vraiment moins. Il est comme vraiment très 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 couvrant. Fait que je trouvais que ça faisait un peu grosse bobette. Mais pour un chalet avec mon père et mes soeurs, ça fait bien un job. Puis le haut, qui faisait super bien, mais je l'ai acheté en gros solde, vraiment haut. Sinon, avec ça, je me disais, me semble que ma petite chemise noire, tu sais, en lin, un peu ouverte, un peu flowy, c'est sûr qu'il y a le bon vieux short de jeans. Ou les jeans longs, s'il fait plus frais, parce que j'ai checké en fin de semaine, il annonce quand même... Celui-là, je les ai achetés au Dynamite. Et à un moment donné, j'avais eu, je pense, un 25% sur toutes. C'est leur modèle le ID, c'est ça? Ça doit pas être écrit. Non, c'est pas écrit. Je suis désolée. Je vais essayer de le retrouver. Mais bref, c'est la fermeture bouton. Je trouve ça plus confortable qu'avec un zipper dans son taille. Fait que. On va essayer ça. On va regarder ça. Donc, honnêtement, j'ai comme pas de feedback. Fait que j'espère que vous me voyez quand même bien au complet. Je vous ai pas mis le bas de maillot parce que c'est un bon maillot, mais je l'ai mis en plus par-dessus mes bobettes, j'étais lâche. Mais juste pour vous montrer la hauteur, fait que mon nombril est ici, et qu'il arrive vraiment comme dans le pli ici, et qu'il est super haut, vraiment un élastique qui tient bien mais sans serrer. Bref, finalement, c'est vrai qu'il est couvrant en arrière, mais il est vraiment vraiment confort. Puis mettons que finalement il fait pas chaud, puis que je reste en maillot, mais je suis quand même confortable parce que c'est plus comme une brassière. Puis je peux aussi même ne pas mettre mon maillot si je vois vraiment qu'il fait pas chaud de la journée. Parce que je pense que c'est samedi qu'il annonce de la pluie. Là. Fait que ça ici. Là, souvent, là, tu te changes de maillot, là, arrive le soir, là, tu veux un nouveau kit. Première chose, un petit top bien confortable parce que tu n'as pas envie de te mettre une brassière serrée le soir mollo autour d'un feu ou autour de la table à jouer aux cartes. Fait que ça, c'est sûr que ça vient avec moi. Ensuite, ben là dans mes jogging, j'ai ces petits jogging là que j'aime beaucoup, que j'avais acheté au Winners. Vu que son pâle, on dirait que ça fait moins moté, moins mou. Puis dans le haut, ben un t-shirt assez mollo, je m'en étais sorti quelques-uns. Et j'ai celui-ci, Beach Boys. Vous m'avez vu avec, je vous l'ai montré récemment, je pense, dans un haul que j'ai acheté au American Eagle. Puis vous m'avez vu avec quand je me suis fait tatouer, il est vraiment confort, comme juste grand, mou. Je vire un peu les manches, puis j'aime vraiment ça. Bon, jour 2. C'est le jour qui annonce probablement de la pluie. Fait qu'on dirait que j'ai vraiment envie de mettre ces pantalons-là. Fait que ça ici, j'aime bien. Qu'on va essayer avec. Ben c'est sûr que j'aime bien le look chemise blanche. Là, j'en ai sorti deux. Elle, c'est parce qu'elle vient juste d'être lavée. Fait qu'elle est vraiment froissée. Il faudrait que j'y passe une shot. Mais elle est vraiment confort, comme jamais ouverte pis tout. Sauf que celle-là, elle est comme plus vieille, mais elle est vraiment plus molle puis elle frippe moins. Sauf que j'aime moins la coupe. Tu sais, maintenant, la mode est plus longue, plus lousse. Elle, ben c'est comme plus à ma taille. Fait que j'aime moins ça. Fait que j'aimerais mieux qu'elle la fasse, mais si ça fait pas que j'aime pas là, on va y aller avec l'autre. Fait que je vais essayer ça. Bon, fait que c'est pas tout à fait le look, tu sais, comprenez-vous ce que je veux dire? Et comme elle arrive, faudrait qu'elle arrive genre 2 pouces de plus. Si elle était comme ça, ce serait cool, mais évidemment pas cette pose-là. Mais j'haïs pas ça, puis honnêtement, elle risque de moins froisser. Puis je me dis, si je veux, par exemple, ne pas mettre de chandail en dessous puis juste mettre ma chemise, ben, elle fait un petit peu mieux. Puis, peut-être avec ce chandail-là, si jamais il fait plus frais, qu'est-ce que vous en pensez? Le brun puis beige. On va essayer.
ultra confo. Que ce soit avec des jeans ou comme ça, avec mes petits pantalons. Mais relax. Puis finalement, troisième kit. Stop! Ça, c'est mon timer disant que j'ai mon travail d'équipe qui commence dans 10 minutes et je n'ai pas mangé. J'ai pris mon temps pour vous jaser à la place parce que ça me tentait. Fait probablement qu'il va falloir que je termine tantôt ou demain, en fait, parce que là, mon travail finit à 9h. Mais ce gilet-là du American Eagle, c'est la vie. C'est le gilet, là, genre full mou, doux en dedans, mais sans être trop chaud parce que j'ai tout le temps chaud. C'est comme un coton ouaté, mais pas épais, là. Je suis très bien raide. Fait que lui, c'est sûr, je la mienne. Puis là, en plus, je regardais ça, puis avec le petit haut H&M que j'ai acheté, comme plus lousse, plus relax, tu sais, pour un petit voyage en auto en plus, tu sais, full confort, parce que le dimanche, on va revenir. Je trouve que ça fit bien ensemble et avec des jeans. Bon, je me suis remis un talon de 5 minutes. Ça se peut que ça ressonne pendant que je vous jase, parce que je voulais essayer de clencher. Vu que c'est comme mon dernier outfit, là. Puis là, mettons, ouh, c'est frisqué. On veut s'habiller, mais tu sais, même un petit comme ça, j'aime bien. Ça va rechercher le même petit bleu. Puis si on habille, pas dessus. Il y a-t-il quelque chose à quoi j'ai pas pensé qui fait que ce serait pas cute? Oups. En plus, j'ai toujours fait ça des kits de même avant de partir en voyage. Puis quand j'arrive, en voyage, peu importe en fin de semaine, quand j'arrive, finalement, je mets jamais ça. Quand je vous disais qu'il est parfait, il est genre, j'ai-tu l'air confo ou j'ai pas l'air confo? Genre, c'est la vie, j'ai hâte de m'habiller de même. Oh là là, ouais, fait que troisième kit. Ensuite, ben là, c'est sûr qu'il faut que je me prévoie un petit kit un peu plus sport. Si jamais on va aller marcher, avoir chaud, fait que mon petit top Calvin Klein, qui est pas le max support. J'ai mon loulou. Je serais-tu mieux d'amener mon loulou? Je vais voir. Je vais peut-être amener mon loulou, qui est le seul top de sport qui me soutient. À 100 pièces le top de sport, j'espère. Et, ben justement, parlant de loulou, mes leggings loulou, encore là, c'est les All the Right Places. Puis, mon t-shirt que j'aime beaucoup. C'est pas tant un t-shirt de sport, mais on dirait que j'en ai plus de t-shirt de sport. Juste des gilets à manches longues ou en tout cas. Il faut m'amener deux semaines quelque part, là. Ça n'a pas de sens. Je peux pas choisir mon linge pour deux jours, là. Là, j'ai même pas de robe cute. Va falloir que je me trouve une robe cute en plus. C'est ici. Mes petites shorts en jeans. Petit t-shirt. Petit jogging. Tout est petit. Tout est petit. C'est pas vrai. En plus, c'est tout du X-large. Mais tout est petit. Tout est petit. Mes petites shorts de pige, juste au cas. Je pense que je vais amener cette robe-là comme quasiment comme une jaquette. Genre, tu mets ça bien vite par-dessus quelque chose pour t'habiller. Ultra quick, tu m'avais vu avec dans le vlog récemment. Bon, fait que je range ce petit kit-là. Je me change, puis il faut que j'aille à mon travail d'équipe parce que là, je suis déjà en retard probablement. Bye! Tout va bien, tout a l'air de tenir. Il est 7h30. Finalement, mon travail, ça a vraiment bien été, fait qu'on a fini plus tôt que ce qu'on avait prévu. On devait finir à 21h. Fait que pendant qu'il y a encore un petit peu de soleil, je vais finir ce que je disais avec vous, finir de préparer mes bagages pour deux jours. On dirait que je pars une semaine. Mais j'aime ça. J'aime ça avoir du choix quand je m'habille, peu importe où je suis. C'est ça, j'aime ça. J'aime ça quand toutes les petites choses sont parfaites. Mais bon, hein, chacun ses bébites. J'ai décidé d'amener ce coton à télé. Au début, j'avais sorti celui-là de l'Université Laval parce qu'il est comme vraiment épais, vraiment confo. Mais là, je me disais, tu sais, le soir, si finalement je veux mettre mes leggings ou quelque chose, celui-là, il est plus long. Fait que l'éclairage a l'air de sortir comme bizarre, là, vraiment shiny. J'espère que ça sera pas trop pire, mais bref, il est rose. Il est quand même fluo, là, mais il a l'air comme encore pire à la caméra. C'est écrit « Dog Mom » ici. Oh, avec la petite tache. On dirait qu'on la voit pas en vrai, on la voit juste à la caméra. Dog Mom ici, je l'avais vu au Winners. Puis je m'étais dit rose de même, long, oversize, Dog Mom, c'est pour moi. Fait que bref, j'amène ce coton à thé là. J'amène aussi ma petite casquette. Évidemment, pas avec mes lunettes.
Celle-là, je l'ai achetée. Voyons, mets la misère. Je l'ai achetée récemment. American Eagle ou Aerie? Je pense que c'est American Eagle, mais bref, c'est pas mal le même magasin. Puis évidemment, je la mets pas avec mes lunettes plus parce que je trouve ça laid. Mais les quelques fois que j'ai eu à le faire, mettons, je suis capable. Tandis que j'ai d'autres calottes que la palette venait à côté sur mes lunettes. Puis là, ben, je pouvais pas mettre les deux, mais c'est très laid les deux ensemble. Mon chapeau. Mon petit chapeau. Hey, ça là, je me suis tellement cherché de chapeau comme ça. Puis à un moment donné, j'étais désespérée. Et là, à un moment donné, je vais au sale avec mon chum et je vois ça. Bon, là, ce sera pas long. Je vais l'installer comme du bon. Mais genre, je l'aime tellement. Ça, c'est sûr, je l'amène. J'ai l'impression de préparer ma valise pour partir une semaine dans le sud. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure, Amé. Tu le sais que ça n'a pas d'allure, puis tu le fais pareil. Mais bon. Parce que là, il y a aussi mon petit pyjama woman's que je vais aller chercher probablement demain matin. Parce que je t'ai mêlée, finalement. Pour être sûre de l'avoir en fin de semaine, je l'ai comme fait livrer à la boutique. Ça va me faire un kit de mou. Le fun pour le soir. Fait que ça, j'ai rajouté ce petit gilet-là, qui est comme un gilet de sport, un petit peu coton ouaté, super mince, que j'avais acheté au Winners il y a vraiment longtemps. Genre, on voit pas du tout, là, mais... Ça ici, avec mon kit de sport. Je suis pas encore sûre si j'amène mon... C'est mon top de sport, Lululemon, là. Pour vrai, là, si vous avez de la misère à vous trouver un top de sport qui tient, là, je pense que c'est genre le plus raté, là, genre fort impact pis tout ça. Il est comme croisé dans le dos avec des vraiment grosses sangles. Il y a 4 agrafes, je pense ça, non, juste 2. Et quand même, il y a 2 agrafes en arrière, fait que tu sais aussi, quand il lousse avec le temps, tu peux resserrer. Puis moi, ce que j'aime en haut, il vient vraiment recoller ici, là, c'est dur à montrer. Fait que... Puis mes bas, je devrais en avoir d'autres, une autre part ici, une autre part ici. Bon, donc finalement... On y est arrivé, je pense que mes bagages seraient prêts. Il va me manquer des paires de bobettes, mais ça, il faut que je refasse un lavage. Puis après ça, on est good! Hello! Je prends 2 minutes pour vous parler. Je suis dans la file, ça va être bientôt à moi de commander pour l'Ashton. Mais j'arrive du Woman's de récupérer ma commande. Finalement, j'ai magasiné un peu puis j'ai racheté du stock. Je capote, c'était la première fois que j'allais à la boutique. Là, je parle vite, là, je suis speedée, là, c'est comme ça a vraiment mis du bonheur dans ma journée, c'est super beau. Puis là, j'ai appelé mon chum savoir qu'est-ce qu'il voulait pour dîner vu que j'étais sur la route. Puis il m'a dit du Ashton sans surprise. Fait que là, j'étais en train de récupérer ça. Mais j'ai tellement hâte de vous montrer ce que j'ai acheté! Je suis capable de bien raide. Fait que je vous laisse, on s'en parle tantôt! Hello, comment on se retrouve? Fait que j'ai mangé, j'avais un meeting à... Suite après, là, j'ai pris le temps de manger une petite demi-heure, puis après ça, j'avais un meeting. Mon truc, j'ai la face poquée. Hein. Je mets pas mal tout le temps du cache-cerne quand je vous parle, mais je vous jure, je fais bien. Là, genre, c'est mes cernes normales, là, mes cernes de session d'été puis de job. Oui, c'est vrai, on s'est parlé de mes petits achats Woman's. Fait que là, j'avais vraiment hâte de vous les montrer. Fait que je vais vous faire un petit haul comme ça, puis je vais les essayer, puis je vais vous les montrer, parce que pour vrai, ces morceaux-là, moi, je les avais vus, ça fait vraiment longtemps sur le site, puis j'y trouvais beau, mais tu sais, c'était comme sans plus, là, j'avais jamais vu en vrai, sur personne, quoi que ce soit. Puis là, de plus en plus, ils ont commencé à faire des stories avec du, je vais dire du vrai monde, dans le sens pas que les mannequins, c'est pas du vrai monde, mais des fois, c'est souvent des shapes, tu sais. De mannequin. Fait que là, c'est vraiment cool parce qu'il faisait vraiment sur différentes morphologies. Plus de 5, moins de 5, plus petite, plus grande. Fait que tu vois vraiment comment le morceau il tombe, puis je trouvais que les morceaux avaient vraiment l'air de bien faire. Fait que j'avais ma commande que j'ai faite en ligne à récupérer. Vu que c'était en bas de 75$, il fallait que je paye le shipping. Fait que j'ai décidé de récupérer directement au magasin vu que c'était gratuit. Puis en même temps, j'ai fait un tour de la boutique. Je me suis tellement retenu, là, vous avez pas idée. Ils ont sorti une nouvelle collection qui est la collection Bali, collection lin. Même les modèles qu'ils ont. Honnêtement, là, genre, des fois, on dit ça, genre, ah, j'aurais tout acheté. Mais littéralement, je voulais tout acheter. Ils ont genre un pantalon lousse, une petite camisole courte, mais pas hein, vraiment courte. Juste comme, un peu comme mon gilet en ce moment, là. Genre, un court long que si t'as un taille haute, ça paraît pas. Ils ont, ben.
une robe que je vais vous montrer, que j'ai achetée. Ils ont des chemises en lin, trois couleurs, genre les trois couleurs parfaites. Noir, blanc, beige, lin naturel. Ah, mais j'aurais tout acheté, puis j'aurais tout acheté dans toutes les couleurs. Mais je me suis retenue. Peut-être que ce n'est que partie remise. C'est quand même ma fête le mois prochain, fait que je vais peut-être me gâter s'il reste du stock. Mais pour vrai, là, genre, jetez-vous dessus, là, c'est la vie. Fait que bref, c'est ça. Fait que j'ai essayé. Je vais commencer par vous montrer une affaire que je pourrais pas essayer parce que je vais poster ce vlog-là après lui avoir montré, fait que ça va être correct. Dans le fond, c'est la fête à ma soeur en avril. Je suis genre la pire soeur au monde. Mais comme on s'est pas vu, puis j'ai tellement ça, me forcer à acheter des cadeaux. Dans le sens, si je donne un cadeau à quelqu'un, c'est que j'aime la personne profondément. Que genre, j'ai envie de lui faire plaisir. Fait que j'ai pas envie d'acheter une bébelle sur le site parce que genre, j'avais pas d'idée puis c'est ça qui est ressorti. J'ai envie d'acheter quelque chose qui me fait penser à la personne, que je pense vraiment que ça va lui faire plaisir. Fait que je suis vraiment du genre à donner des cadeaux en retard, là. Je suis vraiment la pire là-dessus. Mais en même temps, je m'arrange. Tu sais, si je donne un cadeau, c'est pas juste parce que il fallait que je le fasse, c'est parce que j'avais envie puis que je pense vraiment que ça allait lui plaire. Fait que j'ai acheté la petite robe, ça faisait tellement longtemps que je la voyais en ligne. Ma soeur, elle a pas du tout la même shape que moi. Tu sais, elle a moins de seins puis elle est beaucoup plus petite. Fait que j'ai pris la small. Mais je trouvais, tu sais, elle est pas trop décolletée, elle peut mettre les bretelles comme elle veut. C'est la petite robe, comme ça, il y a comme des petits froufrous dans le bas, mais vraiment pas trop, je sais pas si je me lève ici, ça va être mieux. Ouais, comme ça. Fait qu'elle est vraiment pas trop courte, là, je sais pas si vous voyez, là, c'est une small. Puis malgré ça, tu sais, ça m'arrive, je pense que ça m'arrive aux genoux, le petit froufrou, peut-être un petit peu en haut, là. Fait que... ma soeur, ça y fait tellement bien, tu sais, des petites bretelles spaghetti comme ça. Elle peut mettre une petite bralette cute en dessous. Fait que, en tout cas, je suis vraiment sûre que ça va bien le faire. En tout cas, fait que ça se peut que ça lui plaise pas, si c'est ça, mais elle se choisira autre chose chez Women's. Mais moi, je l'imaginais full là-dedans. Fait que, demain, on part au chalet ensemble. J'embarque avec elle. Fait que je vais lui donner ça en arrivant dans la voiture. J'ai hâte de lui donner. Mais là, je passe à ce que moi, j'ai acheté. Bon, premièrement, ma commande. J'ai fait, c'était pour le pyjama, je pense que je vous l'avais dit dans le dernier vlog. Puis, je pense que tout ce que j'ai acheté, ouais, tout ce que j'ai acheté en plus, c'est Women's Atelier. Parce que Women's, ça a commencé, ils importaient des vêtements des. J'allais dire des States, c'est pas ça, pendant tout, de l'Europe. Fait comme les modes qui allaient s'en venir et tout ça. Puis, depuis. Fait combien de temps? Un an au moins, peut-être deux ans, tu sais, je suis pas une grande connaisseuse, mais j'y suis pas mal. Et ils ont commencé ces Women's Ateliers. Fait que ça veut dire que c'est vraiment eux qui l'ont dessiné, qui l'ont fait. Fait que bref, petit haut de pyjama, c'est un t-shirt noir, mais un petit peu côtelé. Mais honnêtement, il est comme mou pis lourd. Tu sais que ça... je sais pas comment dire, si j'ai pas de brassière en dessous, que ça moulera pas trop, ou que ça va comme juste être plus lousse par-dessus. Il est plus court un petit peu qu'un t-shirt normal. Mais pas, tu sais, mettons, lui, il est comme crop, là, mais lui, il est un peu plus long quand même. Fait que ça ici, lui, je l'ai pris dans le X large. Ben, très grand, en fait, là, parce que les autres, ils ont pas, c'est tout en français, mais on comprend le principe. Et les pantalons qui fit, et ça, quand je les ai vus en story, là, au début, je voulais leur, ils ont comme du linge de détente, puis c'est des joggings comme refermés dans le bas. D'habitude, j'aime mieux ça. Mais là, les jambes larges, c'est quand même à la mode. Et ces pantalons, man, c'est des pantalons noirs. Encore là, le même tissu. Puis, ils sont longs comme ça, faites large dans le bas. Je vais vous montrer sur moi après. Ensuite, mon coup de cœur. Genre, je pourrais pas vous dire la dernière fois que j'ai aimé un morceau comme ça. Là, je comprends pas à quel point j'ai eu un coup de cœur sur la coupe de cette robe. Et le tissu et tout et tout. Fait que ça, c'est leur collection, comme je vous disais, Bali. C'est qu'elle est faite à Bali, mais c'est la collection lin. J'ai pris la grandeur grand, fait que large, dans cette robe-là. C'est la robe en lin qui appelle mi-longue. Ça, il y avait juste une couleur, il y avait juste noir. Mais je vais vous montrer sur moi, surtout des trucs comme ça, là, que genre, que ça définit, je sais pas si vous allez voir la couture, qui c'est que ça montre où est-ce que les seins devraient arriver. Moi, d'habitude, ça, ça fait jamais. C'est tout le temps laid, parce que là, ça arrive au demi-sein, puis c'est pas qui coûte. Tu sais, ça paraît que c'est trop petit, puis c'est pas bien fait. Mais celle-là, là... ah, pis genre, en tout cas, elle fait vraiment bien. Puis si jamais vous êtes enceinte ou quoi que ce soit, là, genre, vu que ça arrive direct en dessous des seins, tu sais, il y a de la place pour
faire grossir une bedaine puis que ce soit cute là. Fait que je tripe bien raide, j'ai hâte de vous la montrer. T'sais, le tissu c'est du lin, mais ça va pas être lin 100% parce qu'honnêtement ça a pas l'air à froisser tant que ça. Puis c'est tellement confortable là, c'est vraiment, t'sais, le lin c'est quand même une fibre qui est fraîche là, pour l'été et tout ça. Mais genre ça on dirait que c'est un autre level là. C'est comme, c'est tellement doux, c'est... Ah, j'ai le goût d'avoir ça sur le dos tout le temps. J'ai acheté la petite jupe pour fitter avec ma soeur. Là, évidemment, je ne vais pas mettre ça en même temps qu'elle. Ce sera pas long. Bon, excusez, je suis là pour vrai. Fait que j'ai acheté la petite jupe. Voyons, c'est ma batterie qui est faible. On va essayer de la faire toffer jusqu'à la fin. Ma petite jupe, avec la même, le même motif que la robe de ma soeur. Mais tu sais, honnêtement, je la vois pas tant souvent. Puis quand elle mettra cette robe-là, je mettrai ma robe noire. Mais puis au pire, on fait trop, c'est pas plus grave. Mais honnêtement, là, cette jupe-là, je l'avais vue plusieurs fois. Puis, m'en foutais bien raide. Là, je la trouvais pas. C'est pas une genre de coupe qui me fait bien. Tu sais, parce que c'est comme. À cause du frou-frou, j'avais peur que ça fasse des grosses cuisses. Puis ici, l'élastique, que ça serre à mauvaise place. Quand je l'ai essayé, parce que je trouvais le motif trop beau, puis les bretelles spaghetti, je tripe pas. Quand je l'ai essayé, là. J'ai hâte de vous la montrer, ceci. Et pièce de résistance. Pour ceux qui ont écouté mon dernier vlog, mon pétage de coche sur les modèles de maillot de bain, je disais qu'au moment, ça avait sorti une ligne. Ben, je suis allée les essayer, et j'ai pas pu m'empêcher de me trouver. Ta-da! Un haut de maillot noir qui fait bien! Honnêtement, comment je pourrais expliquer ça? Il est pas genre wow, tu sais, dans le sens, ils en ont sorti un mauve, un jaune. Si j'avais voulu faire wow, c'est vraiment ça que j'aurais sorti. Quoi, chérie? Je suis partie. Bon, excusez, je me suis fait interrompre par mon amoureux qui s'en allait coacher. Ouais, fait que le haut maillot, tu sais, j'aurais pris jaune ou mauve qui était magnifique. Mais ce que j'avais besoin, c'était un maillot noir simple. Tu sais, que tu peux facilement mettre en dessous du linge, que ça n'a pas trop l'air d'un maillot. Puis pour mettre aussi en dessous de mon maillot à manches longues, de quoi de confort et tout ça. J'ai pris 2XL. Honnêtement, il est un petit peu lousse au niveau du tour. Puis c'est plate parce que je peux pas le resserrer. Mais au niveau de la largeur puis de ce qui couvre le sein, il est parfait. Fait qu'il y a une couture quand même visible ici que au pire, je vais être capable de refermer. Là. Je vais demander à ma mère, ben je dis oui, c'est ça, je vais demander à ma mère de me le rapetisser si jamais c'est trop lousse parce que t'sais, après avoir essayé dans toutes sortes de marques, il n'y a rien d'autre qui fait. Fait que... Puis il n'y avait pas XL que je pouvais essayer. Fait que bref. Ça ici, fait que c'est le haut texturé. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, c'est comme un petit gaufré. Il y a des pattes dedans qui sont quand même. Qui ont l'air à rester en place. Là, t'sais, ils ne bougent pas tant. Des bretelles quand même larges. Puis en dessous, c'est un petit élastique. Là. Fait qu'il n'y a rien pour attacher en arrière. Puis en même temps, ça fait aussi des lignes de bronzage qui ont de l'allure. T'sais, des. Pendant un bout, je m'achetais souvent des maillots lacés. Des... Après, quand tu bronzes avec ça, c'est pas nice. Et j'ai acheté le bas qui fit parce que j'avais un bas noir, mais vu que c'était pas le même tissu, j'avais le goût d'avoir un maillot qui fit, ça faisait longtemps. C'est vraiment une bobette qui couvre les fesses, mais sans que c'est ça, bobette de grand-mère, mais pas brésilienne ou sexy ou quoi. Mais quand j'étais avec les enfants ou mon père ou même la famille à mon chum, on va souvent se baigner chez sa mère, je suis plus à l'aise quand je suis couverte. Là, fait que je me promènerai pas en string, mettons. Fait que je suis vraiment contente. Puis c'est quand même hot ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont mis un élastique ici, là, comme vous voyez. Là. Ça, c'est un élastique, mais il y a comme une petite bande qui est rajoutée. Puis elle, là, elle a rien. Là, c'est comme. Ça fait juste comme flatter la peau, là, ça tient rien. Fait que ça fait que même si tu avais un petit bourrelet par-dessus l'élastique qui est honnêtement super confortable, ben t'as comme une autre bande de tissu qui va venir le cacher un petit peu. Fait que bref, ultra confort. Fait que ça, c'est la pièce de résistance que j'avais hâte de vous montrer. Mais je pense pas vous montrer le maillot. Je sais pas. Je sais pas si je suis à l'aise, là. En tout cas. Mais je vais vous montrer le reste du linge. Bon, excusez, j'ai eu un événement qui a popé, puis je pensais pas avoir de meeting. Fait que là, j'ai stressé. Puis là, j'espère juste que mes écouteurs sont pas. Voyons donc, voyons. J'ai comme de la misère à enligner pour que vous voyez tout. Fait que je vais vous le montrer comme ça. Fait que là, c'est ça, avec mon gilet ligné, c'est pas le best, là. Mais en avant, c'est vraiment juste du tissu à côté. Puis l'élastique commence ici, en arrière. Fait que pour bien coller dans le dos ici.
Puis, tu sais, moi, mon vide, il est vraiment à ce niveau-là ici. Tu sais, regardez comment, genre, c'est flatteur, ça le met pas en valeur. Le tissu est super mince, super confortable, mais en même temps, vu qu'elle est serrée ici, t'as pas l'impression que ça va lever tout le temps. Puis, je trouve que la longueur est bonne aussi, juste au niveau du genou. Fait qu'encore là, c'est descend peu importe où tu vas, mais c'est quand même vraiment cute. Puis, ben c'est ça, tu sais, même avec un pull cet automne ou ce printemps. Là, j'ai des bas, c'est pas ce qu'il y a de plus cute. Mais pour vrai, là, je suis genre en amour avec cette jupe-là. Avec des sneakers, avec des sandales cute. Je capote, j'en reviens pas. Puis en plus, tu sais, c'est rare, mais ben c'est pas tant rare, mais avec ou du noir ou du blanc, vu qu'il y a les deux dedans, ça va être ultra beau. Même un jaune, si j'en avais, là, j'ai plus de gilet jaune, mais bref, ça c'est la petite jupe. Ça, c'est le petit pyjama. En passant, mes cheveux, c'est pas un style que je me donne, là. C'est pour attacher mes cheveux sans faire de traces de couette quand je travaille à l'ordi. Puis là, j'y retourne dans 10 minutes, fait que ça me tentait pas de les défaire, mais vous allez m'accepter quand même, j'imagine. Fait que le petit t-shirt, qui colle quand même bien au niveau des bras, pas trop serré ici. Et mon miroir est sale, hein, on dirait que je le vois dans la caméra. Sinon, les pantalons, c'est un élastique quand même large, un bon pouce. Puis encore là, ils font super bien. C'est un matériel qui est... Un matériau, pardon. Un tissu, en fait, là, qui est super stretch, vraiment confort. La longueur est vraiment bonne, juste en bas de la cheville. Ou même, direct à la cheville, en fait. Encore là, avec mes bas, c'est pas ce qu'il y a de plus cute, mais pour un pyjama, là, ça grosse coche. On peut-tu, s'il vous plaît? On peut-tu? Fait que longueur, c'est mi-mollet. Je rentre un petit peu plus bas parce que je fais 5 pieds 4, fait que je suis un petit peu petite, je crois. Tu sais, sinon, mes seins, ils arrivent, mettons, complètement ici. Mais, tu sais, vu que la robe, elle ouvre après, ça paraît pas du tout, là. Ça me fait pas un gros décolleté. Ça fait super bien. Ça cache bien les bretelles de brassière. Dans le dos, ça monte jusqu'en haut, fait que c'est super beau. Puis genre, le mouvement qu'elle a, là. Puis comme je vous disais, c'est un tissu super frais, ultra confort. Je trippe ma vie. Hein, vous voyez mon petit setup trépied. très homemade. Mais je capote sur la robe. Fait que là, ben j'avais fait mes bagages pour partir demain. Mais là, va falloir que je change tout ça parce que... C'est sûr que j'amène les morceaux que je viens juste d'acheter. Fait que je vais faire ça ce soir. Je vais conclure le vlog ici. Honnêtement, il ne s'est pas passé grand-chose d'intéressant à part vivre dans mon linge puis dans mon nouveau linge. Mais j'ai juste transféré un petit peu ce que j'avais fait hier. Puis je pense que j'en ai en masse, même probablement encore trop long. Mais bon, j'espère que ça vous intéresse quand même si mes vlogs sont longs. Fait que je vais conclure le vlog. Puis on va se dire, ben... À demain, parce que moi, je vais continuer à vlogger pour ma petite fin de semaine au chalet. J'ai bien hâte de vous montrer ça. Puis sinon, merci encore de m'avoir écouté. Encore là, n'hésitez pas à commenter, interagir avec moi. Ça me fait tout le temps ultra plaisir. Merci à mes belles amies qui m'encouragent là-dedans. Merci à Johnny and Shit, genre, qui a commenté mon vlog aujourd'hui. Je trippais bien raide. Bref, je suis vraiment contente d'avoir fait le move, puis je suis vraiment contente de continuer à avoir du plaisir à le faire. Fait que j'espère que ça vous entertaine un petit peu, puis que ça vous plaît de le regarder. Fait que sinon, ben comme je disais, merci encore d'avoir écouté le vlog. Ça me fait ultra plaisir. Puis on se dit à bientôt dans un prochain vlog. Bye!